Salut. Donc comme tu vois, j'ai monté ton petit système de feu rouge à l'ancienne pour ta maquette de train électrique avec donc le feu orange qui va se déclencher. Hop, ça y est. En même temps que le feu vert, les deux vont s'éteindre en même temps et passer au rouge. Alors je sais pas trop pourquoi tu m'as demandé cette subtilité-là parce que j'ai pas retrouvé dans les docs sur l'histoire du feu rouge. Des feux qui marchaient comme ça, c'est sûrement lié au pays de ton train électrique, de ta thématique, de ta maquette de train électrique. Donc tu me marqueras ça, s'il te plaît. Alors la plaquette est dégueulasse, c'est une plaquette prototype. Hein. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre de supports là qui sont des assemblages de différents supports. Là, j'ai mis des grosses résistances, mais tu vas voir qu'au final, je vais te proposer une façon de faire avec des petites pour que ça rentre dans ton boîtier. D'un point de vue concept, bah, c'est tout simple. J'ai repris exactement ce que tu as fait sur ton schéma. Hein. Donc, ici, résistance. Résistance condensateur pour générer la fréquence. La pâte qui va sur l'autre circuit là-bas. Et ici, avec les portes NAND, on déclenche donc les séquences. Alors j'ai à peine modifié ton schéma, en fait je l'ai juste remis en forme. Je l'ai juste clarifié, mais c'est le même schéma que ce que tu m'avais fait au stylo sur le post-it. Alors moi j'ai juste mis dans KiCad sur mon GitLab. Donc du coup j'ai donné tous les fichiers qui vont bien. Et ce sera donc parfait. Alors j'ai aussi fait un PCB bien sûr. Face avant. Voilà. Pour correspondre au boîtier que tu m'avais dessiné. Donc ça logera dans le boîtier que tu m'as dessiné. Ce gabarit-là. Donc je le revérifierai, hein, parce que je suis pas sûr que le schéma soit juste, ou que le routage plutôt soit juste à 100%. Faut que je le revérifie, mais a priori on est bon. Ciao!